Charles Oblé Boudé. Nous avons soif du développement. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Nous te disons Ayao Ijaba Kaka. Ayao Kribereya. Ayao Nakibaya. Nous te disons bonne arrivée. La Kibwa te dit bonne arrivée. Nous te disons Ayao Ijaba, Ayao Kribere, Ayao Nakibala. Nous te disons bon arrivé. La Kibwa te dit bon arrivé. Thank you.
activité qui est une très bonne qualité, il faut dans un vrai de très bonne qualité aussi. Voilà. Nous te disons, Ayao Ijabao, Ayao Krimerea, Ayao Nakibaya. Nous te disons, bonne arrivée. Le projet, dans sa politique d'autonomisation des femmes, a décidé d'accompagner les femmes en les soutenant sur la mise en place de coopératives à travers toute l'étendue du territoire national. Mais le projet pilote a commencé ici à Nebo et c'était le 15 octobre. Nous l'avons dit, vous avez choisi la présidente Dago et nous avons dit qu'on reviendrait ici. On allait accompagner la mise en place de cette coopérative. Nos experts au niveau du parti ont travaillé pendant tous ces mois. Et aujourd'hui, ils sont venus avec les documents administratifs de la coopérative. Parce que sans documents administratifs, on ne peut pas exercer de façon légale. Donc, c'est la base de toute chose. Je suis venu. Il y a des gens qui disent, ouais, il est venu depuis là. Il ne critique pas Ouattara. On ne le sent plus. Quand tu arrives dans ton pays, sur un territoire, tu observes d'abord. Tu demandes les nouvelles. Il y a quoi ici? Qu'est-ce qui s'est passé quand je n'étais pas là? Où sont les autres? Qui était blessé? Qui était mort? Tu fais le tour de leurs parents pour les consoler d'abord. Tu vas d'abord penser les plaies. Tu vas pleurer avec ceux qui ont pleuré. Parce que c'est à cause de nous que vous, là, on est venu vous frapper ici. Donc quand on vient, qu'on sorte de prison ou qu'on sorte d'exil, on doit d'abord vous consoler. On doit d'abord vous apaiser. On doit d'abord pleurer avec vous. On doit soigner vos plaies. Et quand vos cœurs sont maintenant apaisés, on peut maintenant parler politique. C'est moi qui vais vous diriger un jour. Le vrai politicien, il doit se rapprocher du peuple. Quand le peuple pleure, il doit pleurer avec le peuple. Tout à l'heure, il y a une maman qui est venue, elle avait une petite tombe de ciment. Maman, je vais te donner une grande tombe de ciment. Voilà. Considère que tu as déjà un tonne de ciment. Merci. Considère que tu as déjà un tonne de ciment. Merci. Donc, Dieu te bénit. Voilà. Tonne de ciment, ça coûte pas million. Merci. Ça coûte rien. Merci. Il ne faut pas attendre d'avoir des milliards avant de partager avec tes parents. Merci. Considérez que quelqu'un qui vient en public pour exposer son problème, ça veut dire que dans la maison où elle est, son cœur souffre. Qui n'est pas de maison. C'est mon rôle, c'est mon devoir d'apaiser mes parents. Et cette femme qui a eu le courage de venir dans ce public, pour pleurer en public, pour une tonne de ciment. Je dis à Nebo qu'elle a déjà sa tonne de ciment. Voilà. Et tu m'as offert un bail. Pour l'heure de bail. Merci beaucoup. C'est ça le politique. Moi, je ne suis pas un politicien à Doka Frère. Moi, je ne suis pas un politicien à Doka Frère. Les politiciens à Doka Frère de Côte d'Ivoire qui se promènent et qui racontent leur vie. Pour que tu puisses grandir, tu n'es pas obligé de rabaisser l'autre. Pour que tu puisses être grand, tu n'es pas obligé de rabaisser l'autre. Pour que tu puisses être propre, tu n'es pas obligé de salir l'autre. Je le répète encore pour que ceux qui ont des oreilles attendent. J'ai dit, peuple de Nebo, pour que tu puisses être grand, tu n'es pas obligé de rabaisser l'autre. Tu n'es pas obligé de piétiner l'autre. Pour que tu puisses être propre, tu n'es pas obligé de salir l'autre. On peut grandir ensemble. On peut se rendre propre ensemble.
On peut grandir ensemble. Nous sortons d'une crise qui a enterré nos parents. Nous sortons d'une crise pour laquelle nos parents ont donné en plus. Nous sortons d'une crise où des gens qui étaient des voisins hier ne se parlent pas aujourd'hui. Quand on vient de là où on était, notre rôle n'est pas de mettre le feu encore. Notre rôle, c'est de calmer la situation. C'est ça que notre rôle. C'est ça que nous voulons. 10 tonnes à l'hectare. Un seul hectare, tu produis 10 tonnes. Donc, du coup, on va vous encadrer, vous accompagner. Le marché existe. Donc, du courage. Il y a des sociétés d'engrais qui sont avec nous. Il y a des ONG qui vont venir après vous aider à travers le financement. Il y a des structures qui vont nous accompagner pour le financement des femmes. Donc, vous êtes dans les bonnes mains. Le projet pense à vous. Un parti politique qui vient au pouvoir et qui se contente de l'existant est voué à l'échec. Doit innover, motiver, transformer, avoir des idées. Et Blanchard Blegoudin incarne ce modèle-là. Il n'est pas au pouvoir, mais voilà. Voici le terrain. Et c'est au pouvoir actuellement. Il est là. Pourquoi il est là? Parce qu'il pense à vous. Rejoignez-nous au projet.